Du défilé militaire au défilé de mode, il n'y a qu'un pas franchi par des étudiants stylistes lyonnais qui, pour ces créations, se sont inspirés de différents modèles d'uniformes. Ils ont travaillé sur le thème à l'occasion de l'exposition présentée à la Sucrière, qui retrace l'histoire des tenues militaires de l'armée française. L'idée de départ était de faire se rencontrer des mondes différents, comme celui de la mode et celui des militaires, mais différents, mais finalement qui se ressemblent, et en particulier dès lors qu'on parle de textile, qu'on parle de tissu, qu'on parle de camouflage, qu'on parle d'uniforme. Des uniformes, il y en a près de 300 présentés dans le cadre de cette exposition, des modèles parfois très rares, prêtés par différents musées. On voit la partie habits, surtout sous l'Ancien Régime, le Premier Empire, Second Empire, jusqu'à voir les apparitions après de dolmans, assez bien décorés avec des brandebourgs. Ça peut être après l'évolution avec l'arrivée du fameux bleu horizon pour la Première Guerre mondiale, qui est assez important parce que là, tous les gens connaissent cet uniforme. Des uniformes à découvrir à la Sucrière à Lyon jusqu'au 27 novembre. L'entrée est gratuite.